Alors voilà la petite famille, le papa Luc, skipper et le capitaine, Noé le petit frère, tout petit, maman Valérie, Solène la petite sœur et moi Jonathan. Le grand frère. Donc on vient de Lyon, on aime le sport, on aime la musique, on aime l'aventure, on aime le voyage, on aime faire la fête aussi. Bon, voilà pourquoi on est sur un bateau, parce que voyage, aventure, sport, et ça rassemble tout ça. On a eu l'occasion de partager en famille une belle aventure en bateau pendant un an. On a fait le tour de l'Atlantique et puis c'était une aventure de famille magnifique. Des moments forts pour souder un groupe, quoi. Voilà. Et puis on a arrêté le bateau puisqu'il fallait renflouer la caisse de bord, comme on dit. Et donc ça fait 10 ans qu'on ronge nos freins. Et puis l'opportunité de rencontrer une personne, parce que Outre-mer c'est aussi des gens, c'est des personnes humaines, en la personne de Pierre, qui nous a vendu notre bateau et qui nous a aussi proposé d'acheter celui-là. Voilà. Et pourquoi Outre-mer? Je me rappelle une réflexion de Solène. On était au mouillage au Tobago Guess dans les Grenadines et il y avait un Outre-mer 45 qui était mouillé sur la plage. Et nous, on était 500 mètres derrière parce qu'on calait 2 mètres de tirant d'eau. Et elle avait dit ce jour-là, mais c'est ça qu'il nous faut comme bateau. Voilà. Donc, c'était le début de l'histoire. Et puis, donc on a construit ça avec Valérie sur différents salons pour choisir le bateau. Et puis, de fil en aiguille, on a eu l'opportunité d'acheter cette occasion. Donc, c'est très récent puisqu'on fait nos armes. Pas aujourd'hui, mais on a fait juste une petite semaine de navigation. Et puis, l'Outre-mer Cup, c'est une bonne expérience pour aller un petit peu plus loin. Donc on l'a appelé Océan car, comme me disait un copain, quand on l'a appelé Océan, il a dit mais vaste programme. Voilà, donc il s'appelle Océan parce qu'il y a un projet de tour du monde. Voilà. Que chacun réussisse et participe aux différentes étapes de ce tour du monde. Il sera peut-être en 10 ans, on ne sait pas. Mais step by step, voilà. Non, pas 10 ans. Pas 10 ans, non. Que tout se passe bien, qu'on s'éclate dans le voyage et que nos enfants, les grands, nous rejoignent à des étapes assez longuement, voilà, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir mes trois enfants avec moi. Voilà.